Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Radio Mika. Aujourd'hui, allez, enfin, on va s'ouvrir. Bon, je vais mettre de l'autre côté le magnifique Human Box. Voilà. C'est des produits alimentaires qui viennent tout droit du Japon. Bien sûr, c'est un contenu mystère. Ça veut dire, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Il y a un thème, je pense, hein. Et j'espère juste qu'il ne s'est pas arrivé cassé. Vous avez mis là. C'est là où c'est un coup, ça ressemble à rien, ça s'est émietté. Mais c'est pas grave, ça se mange parce qu'une fois dans l'estomac, tout est mélangé. Mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est mon tout premier Humane Box. Voilà, je suis très contente parce qu'ils ont été très réactifs, j'ai pas reçu le premier, c'était mon tout premier. Où j'étais contente de faire ça sur ma chaîne, ce que je vous avais promis, hein, les produits directement du Japon, hein, des dégustations de produits. Voilà. Et ils ont été très réactifs parce que je les ai contactés 28 et ils m'ont renvoyé parce qu'ils m'ont dit d'attendre. Ils m'avaient dit de patienter. Moi, j'allais patienter. Hein. Je sais qu'avec le Covid et tout reste, ça mettait du temps. Mais non, en fait, ils m'ont renvoyé le 28. Ils m'en ont renvoyé à nouveau parce que là, c'est pas l'adresse de là où j'étais avant. C'est mon adresse d'ici. Ça veut dire que c'est pas le colis que je devrais recevoir quand je suis au 6. Ma soeur est toujours là-bas et pour l'instant, elle n'a encore rien reçu. Sinon, elle me l'aurait dit. Et peut-être que le colis a été volé. Voilà, on va pas se mentir. Hein. C'était les jours de fête. On sait que. Ah ouh! J'arrive pas à ouvrir avec ça. C'était les jours de fête. Voilà, on sait que. Hein, il y avait eu des intérimaires. On a entendu les rumeurs comme quoi ils ont volé pour plus de 1 million d'euros de produits à la poste. Ah, et sachant que si les gens s'y connaissent, sachant que c'est écrit en gros Human Box, hein, c'est pas un carton marron et à l'intérieur il y a l'Human Box rangé. Ça serait tellement mieux. Ça serait plus discret. Ben malheureusement, je pense que le mien a été volé. Voilà. On va pas se mentir. Ceux qui s'y connaissent vraiment. On fait un pur kiff de me le voler. Mais bon, ils ont été très réactifs. Voilà. Parce que j'aurais dit que c'était pour ma chaîne. Et voilà. Bien sûr, dans ma description de vidéo, il y aura le code parrainage du Main Box. Vous pouvez y aller et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Ils ne vendent pas que ce Human Box alimentaire. Ils vendent aussi des. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça. Ninbox. Et les Ninbox à l'intérieur, ça va être plutôt figurines, t-shirts, de produits japonais, bien sûr, de tout ce qui est manga. Et des fois, à l'intérieur, vous avez un peu d'aliments, mais très très peu. Moi, là, j'ai sélectionné juste alimentaire. Puisque vous savez que je suis une rogourmand. Voilà. Rond flex, flemmarde et rond gourmand pour manger. Et là, on va se regarder ça tout de suite. Hein. Moi, je ne vois pas, je ne vois plus rien. Et on voit. Oh, j'adore. Il y a déjà un bonbon qui vient de tomber. Tombe là. J'adore. Alors, c'est blindé, hein. Alors, Human Box, cette boîte coûte 27,90 € à peu près par mois. Je crois avec frais de port, je sais plus trop. Faut que je regarde encore. Hein. Je peux vous dire ça de suite en fait, mais. Je sais plus du tout. Je suis perdue. Est-ce que c'est avec frais de port? Je vais vous dire ça. Human Box, bien sûr. Tiens, je vérifie s'ils n'ont pas une application pour que je puisse surveiller mes avancées de produits. C'est vrai que leur site est très simple, hein. Ça te dit juste à envoyer, mais t'as rien d'autre. Hein. Donc, oh, il y en avait un, il y avait Pikachu dedans. C'est triste si c'est pas là-dedans. Bon, alors moi, bien sûr, ben moi, mes abonnements. Puisque c'est un abonnement, hein, et après, vous pouvez vous arrêter à tout moment. Donc, ben, moi, je sais pas, c'est marqué 27,90 €. Peut-être que c'est tout compris, hein. Je regarde la facture, je vous le dis de suite. Oui, c'est tout compris. C'est 27,90 €. Peut-être parce qu'à cause du Covid, ils offrent le frais de port. Parce que j'avais entendu que logiquement, on devait payer les frais de port en plus. Mais là, ils offrent le frais de port. Donc, très contente. Pour l'instant, 27,90 €. Alors, on va voir si c'est. Je sais pas trop. On va lire le livre aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit magazine donc qui nous montre les produits qui logiquement devraient être à l'intérieur. Donc on va pas vraiment regarder, sinon ça va nous spoiler. Alors, je ne sais pas lire le japonais, hein, d'accord. Hein. Mais ça doit être genre des petits chips ou des céréales.
On verra. Oh, oh là, c'est des chips, ça. Alors, ça, donc, ça, c'est des céréales plutôt. Et ça, c'est des chips. J'adore les petits paquets, c'est trop choupi. Je vais me régaler. Oh, alors, ça, je ne connais pas. Alors là, au thé matcha, je crois. Hein. Je crois que c'est du thé matcha. Ça se dit quoi en fait? J'ai oublié comment ça se dit. Mikado, c'est des Mikado au thé matcha. Bah ça va être très bon. On goûtera bien sûr. Hop, on va y mettre comme ça. J'aime bien, c'est que il n'y a pas de place pour l'instant. Alors, ah, c'est des petits gâteaux que je vois des fois dans les mangas. Ça j'adore. Je sais pas, j'adore. Je dis comme ça, mais je sais pas quel goût ça. Ça va être un genre de gâteau mou. Ouais, ça c'est mou. On verra. Oh là. Mon dieu, je sais pas. Je vous montre, mais je sais pas du tout c'est quoi. Alors, on a... Je vois pas. Bien sûr, quand je vais faire la dégustation, il y aura un autre point de vue, hein, parce que... On va pas se faire... Hein, d'accord. Bon, après, c'est mon premier, on verra comment ça... C'est pas c'est quoi. Je sais pas quelle tête je vais avoir quand je vais les manger, je vous le dis. Alors, je sais pas du tout c'est quoi. Alors, il y en a ceux qui comprennent, bien sûr, le japonais. Me liront ou me le traduiront, bien sûr. Sur chaque produit, bien sûr, parce que c'est tout écrit en japonais. Bon, ben, je kiffe, vraiment, ça ne me dérange pas. Alors, ça. Un fruit thé. Est-ce qu'il faut le mélanger dans de l'eau? Ça, c'est la question. Je pense que oui. Ça, c'est à mélanger dans de l'eau. Alors, je pense que celle-là, si c'est ça, je vais le garder pour le live samedi. Comme ça, moi, je pourrais le boire pendant le live. Bah, c'est cool. Eh, mais c'est pas mal, hein. Moi, 1%. Alors, pour vous dire c'est quoi, en fait. Alors, un gâteau. Ouais, c'est ça. Un truc soufflé, je pense. Au poisson. Dans la logique du dessin, c'est un poisson. Ça enregistre quand même. Oui, c'est bon, ça enregistre. Ah, il est qui ? Oh oui, alors j'espère que c'est pas d'alcool. Mais c'est des Kit Kat. C'est des Kit Kat, quoi. Des Kit Kat. Alors là, c'est des Kit Kat fraises, donc cranberry. J'espère juste qu'ils disent pas que c'est au champagne. Parce que je ne bois pas d'alcool. Je pense pas qu'ils oseraient mettre dans leur box de l'alcool, sachant que peut-être des enfants commanderaient ce genre de box. Voilà. Ouh, alors ça... Je vais pas le manger ici, bien sûr, hein, parce que ça, ça, je sais c'est quoi, c'est des nouilles, hein, bien sûr, hein, des nounouilles. Et pourquoi pas samedi, voilà. Samedi, je ferai la dégustation en live avec la boisson à boire. Ah, pas mal l'idée. Oh, je kiffe. Ils ont mis une petite canette. Oh, j'adore. Alors, c'est une boisson pétillante au melon. Je surkiffe, bien sûr, je vais le goûter ici, hein, parce que ça, il va être bu, il est très frais, hein, grâce qu'il fait très froid dehors, quand j'ai reçu le... Oh. Alors, c'est original, c'est des Pringles, voilà, mais, à quoi c'est, what the fuck, quelle est la saveur? Bah, on verra ensemble, hein, bien sûr, je vous dirai c'est quoi la saveur, j'espère juste que ça ne pique pas. Ça va être original, je sens. Et en terminant, j'adore la boîte. Déjà, je vais la garder. Je vais mettre, pourquoi pas, ranger les cartes intérieures. J'adore la boîte. La boîte, elle est classe. Je surkiffe là. Oh, si mon chat voit cette boîte, elle va y aller. Et donc là, on aura des chips au... Et... Alors, je ne sais pas trop... on verra au goût, mais on dirait que c'est des chips aux fleurs. Je sais pas. Fleurs de cerise. Ça se mange? D'accord. C'est des fleurs de cerise, je pense. On va goûter. Alors, je change le point de vue de caméra. Et je suis à vous. Salut, reprise. Voilà, j'ai fait un petit réglage, vite fait. Bientôt, il y aura besoin de ce genre de réglage, hein, je vous le dis au cas où.
Parce que, oh, ma cam ne tombe pas. Parce que comme j'ai dit, cette cam restera en face, donc elle sera à la hauteur que je veux, et ce sera mon téléphone qui filmera ce qui a filmé. Voilà, donc j'aurai deux angles différents, bien corrects. De toute manière, le plus important, c'est de voir ma tête, parce qu'il faut que je mange ce qu'il y a à manger, bien sûr. Donc, on s'en fout un peu de viser le bas. Vous avez pas... On dirait qu'il s'est tordu, mais en fait, c'est la cam qui me fait ça ou quoi, là? Pardon, mais je suis un peu maniaque sur les bords. Il le faut. Allez, on continue. Donc, bien sûr, on avait vu ce magnifique... Ben, pour ceux qui savent lire le japonais, me le traduiront, bien sûr. Comme... Alors là, maintenant, on voit mieux, en gros. Hein, bien, je vous montre comme ça à la va-vite. Mais je vais surkiffer parce que là, on va déguster tout ça. On va goûter. Enfin, je vais goûter. Vous allez regarder et voir ma tête si oui ou non, c'est bon ou dégueu. Et moi, je ne vous cacherai rien. Ce magnifique Mikado... au goût des matcha. Voilà. Ça, c'est des petits bonbons, je pense. Hein, qui sont trop kawaii. Voilà, on va parler. Donc là, c'était Pringles au saveur. What the fuck? Ça veut dire, en fait, on sait pas c'est quoi. Les petits... bah, ça va être une choux à la crème. Enfin, je crois. Je sais pas trop. Donc, je vais voir c'est quoi. Donc, déjà, c'est la noisette. Mais... Sachant que je sais pas lire. Alors les Kit Kat, j'espère juste que c'est pas à l'alcool. Voilà, on avait ces magnifiques Kit Kat qui étaient ils disent cranberry. Ça veut dire presque logiquement. Espérons pas champagne. Donc ceux-là, bon, ceux qui savent lire le japonais peuvent me dire tout de suite parce que je ne sais pas. Et... Mais après, je vais regarder si c'est pas traduit dans le livre. Ces petits-là aussi, qui étaient là. Donc, je sais pas c'est quoi, parce que... Réellement, je ne vois pas. Mais j'aime bien le dessin, j'adore. Hein, on dirait que ça doit être un truc à la crevette. Puisqu'il y a des crevettes, hein, on va pas se mentir. Et ça, j'avais dit que j'allais le faire en live avec vous. Parce que ça doit être à mélanger en boisson. Et j'ai déjà une boisson qui est juste là à boire avec vous, là maintenant. Qui est... melon pétillante et que je mangerai ça en live samedi avec vous bien sûr. Voilà, voilà. Donc on va voir et je vais juste lire le livre en même temps pour me dire oui ou non. Yeah, c'est traduit, j'adore. Là on voit rien du tout, hein. Caméra oh. Comme ça. J'adore, il y a toujours le mot de passe qui doit y être. Hein. Mais voilà, au cas où, vous mettez pause et vous pouvez lire le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Hop. Alors, c'est vachement bien parce que pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez voilà, lire le contenu. C'est traduit. Moi, je ne savais pas. Comme je vous ai dit, je me suis pas spoilé. Donc là, vous allez mettre pause pour ceux qui sont intéressés. Alors, attendez. C'est quoi ce truc qui vole? Voilà. Non. J'aime bien parce que j'ai vraiment pas l'habitude de cet angle de vue. Allez, Cam. Pouf. Voilà. Alors, je sais pas si vous arrivez bien à lire. Mais bon. Hop, ça va de l'autre côté plutôt. J'ai vraiment pas l'habitude de ces points de vue. Mais voilà ce qu'on peut dire. Et ensuite, ça parle du Japon. Donc, ben, je sais pas. Et il nous montre ce qu'il y a eu dans les box précédents. Ah, caméra, regarde en main. Empreinte. Wouh, voilà. Donc, il nous montre ce qu'il y a eu dans les box précédents. Hein. Donc, ça, c'est vachement cool pour voir ce qu'on a raté et ce qu'on peut avoir plus tard. Parce que, bien sûr, ça peut revenir... Je me demande c'était quoi ça, le méga box du mois. Ah ouais, ce mois-ci, un chanceux parmi notre communauté recevra un box de sa... Recevra en plus de sa box un lot de produits Ghibli de friandises divers. Oh, trop chou. Voilà le cadeau à gagner. Voilà. Hop.
Voilà. Eh ben réellement, c'est pas moi, puisque j'ai pas reçu. Je crois qu'il dit c'est en même temps, hein. Combien une autre, combien sur moi, en plus sa box, en plus de sa box. Eh ben c'est pas moi. Je n'ai pas gagné. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir des dédicaces. Donc tout ça, je vais ranger. Alors c'est, ça dépend de la vidéo quand est-ce que ça sortit. Est-ce que je l'aurai déjà mangé avec vous samedi ou est-ce que je l'ai pas encore mangé? Allez, on commence par quoi? D'abord le sucré parce que le salé, hein, ça va tout casser. Donc si je m'abuse pas, je me spoil pas non plus sur les détails de ce qui est écrit. Hein. Je vais tout ça, c'est du salé, ça c'est du sucré, ça c'est du. Non, là je vais me spoiler parce que je vois pas. Vous savez, j'y viens d'imaginer que j'ai failli tomber par terre. Mais vous aurez entendu un boom et je serai pas tombé bien bas. Ils disent que c'est du mochi. Ah, d'accord. Gâteau de riz gluant. Poudre de soja grillée sucrée. Donc c'est sucré. Sucré. Voilà. Bon, ça c'est des chips. Bien sûr. Ça c'est des petits bonbons. Découvrez des bonbons fruités colorés au goût fraise. Melon, orange, raisin, citron dans un paquet de 6 Mikugorashi. Pardon. Tu m'as parlé? Et lui, j'avais raison, ça s'appelle un Pokimatcha. Donc, c'est bien sûr bah, les Mikado de chez nous. Hein, voilà, version normale. Mikado, mais au thé matcha. Ouais, en même temps, on s'en fout. On lit ce qu'il y a écrit dessus. Hein. Ça, ils disent que c'est. Je sais pas. Ah, attends. Je pense qu'il faut que je le mange maintenant, celui-là. Ça, c'est. Henpi châtaigne. Ah ouais, c'était de la châtaigne. J'aurais plus cru de la noisette, mais c'est pas grave. Au Japon, les châtaignes étaient nommées incontournables de Nouvel An. Bah, comme chez nous, hein. Ça va être spécial en goût, je le dis tout de suite. Alors, ça, c'est des céréales, logiquement, hein. Ils disent que ça, c'est. Un shofuku okaki. Ce sont des petits biscuits de riz typiques japonais. Ils disent c'est pour utiliser pour apporter le bonheur. Espérons-le, pourquoi pas? Souhaitons que ça apporte le bonheur. Ça, je suis curieuse, réellement. Une bonne crevette mayonnaise. Mettre de la mayonnaise à l'intérieur. C'est très léger. Ce mois-ci, dans votre box, retrouvez un menu typique de Nouvel An. Ah, d'accord. Saveur crevette mayonnaise. J'avais raison de dire que ça avait crevette. Donc là, c'est Fukutai. Donc c'est au dorade. Est un symbole de Nouvel An au Japon, car Medetai veut dire félicité. C'est un jeu de mots. Fuku veut dire bonheur. Ce gâteau en forme de dorade contient du chocolat. Ah, c'est pas du poisson. C'est du chocolat aussi léger que délicieux, parfait pour le Nouvel An. Tu m'as parlé, toi, chocolat? Bonjour. Donc ça, c'est sucré aussi. Et en fait, j'ai beaucoup plus de sucré que de salé, dis donc. Si je m'abuse pas, là, on avait dit que c'était. J'espère que c'est pas l'alcool. Je vous le dis direct. Hein, un Kit Kat vin pétillant fraise berk. Attends, bref, oui, j'ai entendu vin là d'un coup. Voici un tout nouveau Kit Kat disponible au Japon, saveur vin pétillant fraise. Cette édition limitée a fait le buzz et s'est vendue rapidement dans beaucoup de magasins. Non, on est donc heureux de vous en faire profiter pour bien débarrasser l'année. Il contient quand même 0,1% d'alcool à l'intérieur. Je vais goûter, mais je ne garantis rien parce que bah, c'est l'alcool et moi j'aime pas l'alcool. Donc là, on sait que c'est ça comme maïs, saveur soupe aux oignons. Ah, d'accord, original. Et celle-là que je savais pas c'est quoi. Ils disent que c'est un shiosen humaine. Ces chips, c'est très léger, sont fabriqués avec du riz, la saveur est sel hume, prune salée. Ah, c'est des prunes. Du Kichu, la région du Japon qui cultive le plus de prunes, un délice purement japonais. Mais ça veut dire quoi? Que c'est sucré alors.
Ok, donc on a un point sucré. Bon, ça, le sucré, c'est après. Heureusement que j'ai lu, j'ai cru qu'il y avait du salé que ça. Donc ça, c'est sucré. Et le Pringles. Pringles saveur mystère. Pringles saveur mystère sont déjà sortis dans certains pays, mais ceux-là sont tout nouveaux, avec une saveur limitée pour le Japon. Essayez de deviner de quelle saveur il s'agit avec vos amis. Bon, moi, toute seule, bien sûr. Et lui, j'avais raison, c'était... bon, j'ai lu ma canette. J'avais dit pétillante, hein, la canette pétillante. Ils disent melon soda. Ouais. Prendre la tête, c'est simple, hein. Melon au soda. Donc, on n'a pas grand-chose en salé, on a beaucoup de sucré et... attends, quoi. Je suis en train de tilter, correcté. Je crois que j'ai que deux salés. Trois avec le Pringles, sucré-sucré. Et le... Ah bah. Les nouilles, bien sûr. Et ça, alors je pense avoir lu que c'était des bonbons. C'est pas une boisson. Moi, je vois une boisson, donc je pense que c'est une boisson. Mais en fait, ils disent que c'est un bonbon Lipton. J'arrive plus à te dire, mais ça y est, je suis fatiguée. Lipton. J'aime bien chez nous, c'est français. Lipton, thé aux fruits. Pour la première fois, voici des bonbons issus d'une collaboration avec Lipton et un fabricant japonais de bonbons. Chaque bonbon contient du thé aux fruits de Lipton. C'est une édition sourde. C'est une édition sourde. Qu'est-ce qui leur arrive à dire ça? Acide, avec de la fraise, du citron et du kiwi. Donc ça, on va goûter ça aussi tout de suite. Hop! Bah dis donc, je suis vraiment en train de tilter qu'il y a plus de sucré que de salé. Mais bon. Donc on va déjà goûter cette magnifique saveur crevette mayonnaise. Ah Bianca, j'arrive, je termine ma dégustation. Je vais enlever mon rouge à lèvres quand même. Parce que j'imagine. Ça va mieux. J'imagine bien là. Le mien est un trou mieux. C'est un chips. En fait, j'aime bien. C'est un chips géant. Ah oh, putain, mais ça a vraiment le goût de crevette. Ah, j'ai plus de la. Oh, mais là, je me sens tout seul. Je me suis auto-senti. Bah, en fait, quand vous mangez, c'est comme les chips au fromage. Vous vous sentez pas sur le coup, mais les gens qui sont autour de vous, ils sont en train de mourir. Mais c'est bon, là, vous êtes choqués. D'habitude, en dégustation, les gens font une bouchée et ils passent à autre chose. Moi, non. Je le finis. Vas-y, ma Bianca, je le finis. Mais c'est très bon. Hein. 25 minutes déjà. Enfin non, il y a une coupure parce que j'ai installé la caméra. C'est très très bon. Alors on va ouvrir cette canette qui va m'aider à passer. Bah, quand c'est sec. Mais réellement, mayonnaise on le sent. Crevette, oui. Ensemble, ça va très bien. Oh, melon, bah on le sent fort, hein. C'est très bon. Donc on passe maintenant ce magnifique petit chips au maïs. Comme ils le disent. Très bien, la Human Box va me passer dans la vidéo, il n'y aura plus rien. Oui. Ben tout simplement. Un soufflé au maïs, chips. Ah, ils disent que c'est à l'oignon. Ah bon? Je sens pas l'oignon, moi. Sens qu'on devient. Bon allez, on mange ça. C'est bon. C'est très léger. Pas assez soufflé. Hein. Léger. Au kilo.
Ah ouais, ils le disent pas en français. Ah si. Ils disent 15 grammes. Il y a combien de grammes là-dedans? Shit. Je ne sais pas pourquoi vous le mettez en japonais, ça. Ils disent que c'est 87 calories, mais je sais pas combien il y a de grammes là-dedans. 87 calories. Wow. Wow. Ça passe. Ça sera bon. C'est melon. Alors, ça va être dur de faire. J'aurais dû faire les chips militaires en premier. Non, mais vraiment, la canette au melon, elle est excellente, hein. J'adore. Ça sent trop bon, non? Alors, on y va. Le Pringles Mystère. Les mecs, ils vont dire, pour chaque bouchée, vous allez avoir un goût différent. Bon, il n'est pas arrivé en tchétché, mais... C'est pas mal. Je vais en prendre... Alors, comparé à nos Pringles, elles sont vraiment plus petites. Ouh la vache. Je connais ce... En plus, je connais ce goût. Alors, c'est très bon. Mais j'arrive pas à voir. Mais il est très bon, hein. Non. C'est pas ce goût-là. Si, c'est ça. On dirait de la côtelette de l'agneau. Cuite au barbecue. C'est ça. Ben, c'est excellent. Ça a le goût d'une côtelette d'agneau cuite au barbecue. Là, d'un coup, tu dis, tu fais une deuxième bouchée, tu dis, ou bien du poulet. Cuite au barbecue. Maman, tu fais un barbecue, s'il te plaît, que je puisse goûter? Alors déjà, je sais que c'est un goût de barbecue. Non, c'est ou poulet ou côtelette d'agneau. Ça, c'est sûr. Mais très, très bon. Ça, je vais le finir. Alors, pour l'instant, il n'y a rien qui n'est pas bon. Pour la peine, je reprends encore un paquet. Pas que fini, hein. Il est trop bon. Théorie. Je vais le finir avec vous. Hein, vous êtes choqués parce qu'il y en a qui font une dégustation, je vous dis direct, qu'ils font 2-3 bouchées. Moi, quand je commence, oh, je vais mieux, quoi. Ah, tiré. Bon, à part le gros paquet de chips, là, je vais pas le finir en une fois. Moi, il m'aurait pas dit qu'il y avait de l'oignon, j'aurais pas senti. Hein. Moi, je vois plus nature que l'oignon. Hein. Bah, j'ai déjà goûté des chips à l'oignon, c'est pas du tout ce goût-là. Hein. C'est trop soft. Ouais, il me reste encore 3. Ennemi. Ennemi, ça me fait rien. Ah ouais, pote. Heureusement, il n'y a pas de caméra juste en dessous. Pas de choquer, mais j'ai fini. Alors, on entame maintenant les chips aux prunes. Mais c'est une tuerie. Réellement, là, le colis, là, il n'y a pas de sang. Ah, d'accord, une ouverture facile. J'avais pas vu. Hein. Alors, j'aime bien la couleur. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ah, si, là. C'est très joli à l'intérieur. C'est très, très joli. Oh là.
Là, je sais pas. En plus, je vois pas. Je sais pas si vous pouvez voir que c'est rose. En fait, on ne voit pas. De loin, c'est rose. Vous voyez? Là, on voit que c'est rose. Mais c'est vraiment rose, rose. Là, vous voyez un genre de rose pâle. Moi, je vois que c'est vraiment rose. Bon, en fait, c'est la couleur du sachet. Enfin, saveur, enfin pas saveur, mais ça le style des chips aux crevettes qu'ils vendent dans les produits japonais là. C'est le même, bah, c'est du riz, je crois, soufflé. Saveur prune. Ça se mange. C'est ni sucré ni salé. Ça se mange. C'est pas mon préféré. Mais c'est ni sucré ni salé. Je finirai ça. Parce que là, c'est un gros paquet. Je peux le faire, hein, mais ça va durer une éternité la vidéo. Allez, hop. Alors, on s'en tâte. Mais bon, on le fera après. Les pâtes à chips. Toujours ouverture facile chez les Japonais, j'adore. Alors ça a une drôle d'odeur, hein. Je vous le dis, au cas où. Hop. Alors, vous avez rien. J'ai cru que c'était sucré. Oh la vache. En fait, c'est salé. Et sale, goût de poisson. Non, maintenant c'est sucré. Ah, ils ont fait un mélange, d'accord. Ok. Je viens de manger, c'est enrobé au caramel. Donc, on a. Alors là, je sais pas c'est quoi à base d'algues. J'espère que c'est pas du piquant. Ouh. Crevette. Pas direct dans ta bouche, hein. Donc là, c'est crevette, mais c'est très bon, hein. Donc ça doit être poisson. C'est ça. Et là, un mi-mélange sucré-salé au caramel. Moi, je crois que c'était du lait qu'ils avaient mis en bas pour dire c'est des céréales. Je pensais que c'est sucré. Non, en fait, c'est pas sucré. Ça te mange. C'est spécial parce que c'est un mélange de crevettes. On mange d'un côté, après on mange du poisson, puis d'un coup on mange un truc sucré. Ce qui est bien, c'est que ça varie. D'ailleurs, en fait, ça reste pas dans le monotone. C'est bon. C'est bon, mais je m'achèterai pas 15 000 paquets comme ça. Non. Alors, on va se tâter pour. Ah ouais. Non, le chocolat, je le garde pour la fin. Celui qui a en goût, c'était quoi? Châtaigne, je crois. Ah, ouverture facile ou pas cette fois-ci? Ah oui, ouverture facile sur le milieu. Ça sent bon déjà. Oui, vas-y, tombe. On dirait une galette, d'accord. Alors, c'est le. Ouais. Moi, si sucré, ça, je vous le confirme. C'est une brioche. On dirait le contenu d'une galette des rois. De la frangipane. En fait, c'est la frangipane aux châtaignes. Pour ceux qui n'aiment pas les châtaignes, ça n'a pas le goût. Peut-être la texture, mais pas le goût. Bah, je l'ai fini. Hein. Ah bon? Oh si. Ah, il reste encore. Il reste encore tout ça avec ça. C'est un dernier parce que normalement c'est gélatineux à l'intérieur. C'est bizarre. Et sur. Non, c'est là vraiment dernier parce que c'est chocolat. Alors, on y va avec l'alcool.
Alors, il y a bleu comme ça. Et... J'aime bien, ils ont mis dans un personnage dans chaque... Oh, j'ai encore pleuré. Enfin bref, on s'en fout. Mais un personnage dans chaque truc, mais deux couleurs différentes. Alors, voyons voir si c'est tous la même chose. Parce que c'est écrit pareil. Hein. Réellement, ils se prennent pas trop la tête. Il y a juste les images. Ah, vas-y, vise. Jo, voilà. Neymar de Paris. Alors, bah, ça va être la même chose parce que de toute manière, de base, il n'y avait qu'une seule saveur. Hein. Oh, purée. Ça... Oh, mais ça sent. Ah, mais ça sent. Bah, ça sent. Ça sent l'alcool. Ça sent le vin. Oh. Oh. Bah, va essayer la bouche. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Un truc tendance qui a fonctionné? Ouh! Ah, c'était répugnant. Ben pour ceux qui boivent pas d'alcool, c'est dégueulasse. Je vous le dis direct, ne prenez pas. Ne prenez pas. C'est trop fort. Quoi? 0,1? Ah, vous êtes gentil quand vous dites ça, hein? Ok. Oh, mais je l'ai encore dans la bouche. Un Pringle saveur poulet ou côtelette d'agneau. Non, mais... En reprenant comme ça a vraiment plus le goût d'un poulet barbecue mariné. J'ai plus ça dans la bouche là. Allez, on y va avec la pâte de riz. Enfin, pâte de riz gluant. Tiens, vous êtes en train de me salir ma table, vos trucs. J'ai bien la texture. Oui. Oh my god, Draco Feu vient d'en prendre un coup. Oh la vache! Ouais, ça se mange. Ça se mange, mais ce qui est bizarre, c'est la poudre qu'ils ont mis dessus. Sans la poudre, elle serait bonne. Vraiment. C'est drôle, hein? On mange qui mange, hein? Moi, j'aime bien. Même si d'un coup il y a eu cette chose et pas du tout aimé. Et pourtant, j'étais fan des Kit Kat qu'on m'avait envoyé. J'étais impatient de commander ça pour manger ce genre de Kit Kat. Mais pas ça, hein, pas avec alcool, bien sûr. L'autre, sans alcool. Oh, alors ça, j'aime bien comment c'est présenté. Deux paquets différents, au cas où. Pas obligé de tout manger. Allez, il nous en reste pas beaucoup. Alors, voyons voir ce que ça donne. T'as le goût du thé. Bah, ça a le goût du thé matcha. C'est très bon. C'est pour ceux qui aiment vraiment le thé matcha. Hein. Enfin, ou le thé tout court. Ah, ça, j'aime bien, voilà. Ça, comparé à cette chose à côté que je pourrais pas manger. Je sais pas ce que je vais en faire. Celle-là était dégueulasse. Heureusement que c'est pas dans... J'espère que c'est pas dans tous les paquets comme ça, mais... Bon, il nous en reste... Et trois. Alors, on va goûter les petits là. De la cocaïne.
Vite! Produit chimique. Oh, tiens, j'en ai plein. J'en ai. Voilà. J'en ai. Oh, tout... caméra! Putain, je vois plus ma main, tu sais. Ah! Ça a fondu en 2 secondes à la bouche. Alors, bon, c'est très bon. C'est genre les petits bonbons qu'on a comme les colliers ou ceux qui ressemblent aux colliers, mais dans les paquets comme ça, un peu longs. Ça va, ils sont bons. Sauf que nous, ça met plus de temps à fondre. Là, réellement, je l'ai mis dans la bouche, il n'y avait déjà plus rien. Voilà. Ah, là. Ah, plus rien. Bah, c'est très bon. On change chaque saveur différent. Après, j'ai oublié les noms des saveurs. Bah, ça sent du produit chimique. T'as plus ce goût du produit chimique aussi. Oh, ça va, c'était long la date. Novembre 2021. Si je devais pas manger maintenant, ça pouvait attendre. Alors, maintenant, on entame. Sauf qu'il y a encore un nouveau Human Box qui arrive entre-temps. Alors, je pense que ça doit être ce genre de bonbons comme ça, ça ressemble. Là, on arrive aux deux derniers. C'est long, là. Je suis désolée. Hein. C'est mon premier Human Box. Après, vous me dites si vous voulez que je fasse comme ça ou si vous voulez juste que je fasse une mini dégustation de 2 ou 3 produits. Pas 2 ou 3 produits, non, mais de... C'est quoi la texture? Oui, oui, oui. C'est une drôle de texture. J'aime bien. C'est de la gélatine, quoi. Alors, attention. Je pense pas que c'est halal. Je pense que c'est la gélatine de porc. Pour ceux qui regardent et qui ne consomment pas de porc. Alors c'est très bon. Faut genre manger un, en fait. Enfin, c'est juste la fille qui est en train de kiffer et qui trouve des prétextes de manger un autre. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve. C'est triste, hein. J'imagine pas à combien ils vendent le paquet. Hein. 141 calories quand même hein, dans le paquet. Enfin, c'est du sucre. Si on me dit pas que c'est des Lipton, je vois pas du tout. Mais très bon. La meilleure pour la fin. Le chocolat. Mais vraiment, j'ai cru. Mais tout sali, c'est pas possible, hein. J'ai cru vraiment, quand on voit le poisson, on dirait que... Il y a un truc bizarre dedans. On dirait que c'est du poisson, en fait. Vous voyez, un gros snack poisson. Mais en fait, non. Alors, à part les Kit Kat que j'ai détestées, bon, pour l'instant, ça se mange, hein. Moi, j'ai bien aimé. Oh! Mais c'est original! D'accord, j'adore! Oh, j'adore! Et donc, au milieu, il y a du chocolat. Comme un peu du Nutella, quoi. Faut faire attention quand on va manger ça, je vais manger avec ça, comme ça. Désolé. Même le chocolat est alvéolé. C'est aéré. C'est léger. Alors ça, je kiffe. Ça, j'adore. Si je pouvais avoir 15 000 paquets comme ça, un carton complet, je me régale, moi, je vous le dis direct. Hein. Vous voyez comment c'est alvéolé? Donc deux gaufres. Et à l'intérieur, ils ont mis du chocolat alvéolé, donc je sais même pas comment ils ont fait. Mais c'est une tuerie. Alors, on va terminer avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, soyez compréhensifs, c'est le premier. Hein. J'ai pas encore amélioré le système de comment je vais faire les dégustations. Là, c'est juste que je me suis un peu régalé parce que ça fait plus d'un mois que je l'attends ce colis. Donc, une fois que j'ai ouvert, j'ai voulu tout manger et donc j'ai tout mangé. C'est vrai qu'il me reste presque pas grand chose du colis. C'est tellement bon. Il y a pas un qui était pas bon.
Et un qui est spécial, mais je le mangerai parce que bah, c'est du riz gluant, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais c'est surtout le côté, l'autre, l'alcool, je ne supporte pas. En fait, réellement, KO Manbox ne fait plus ça sur les colis. Parce que pour ceux qui ne mangent, enfin, qui boivent pas d'alcool comme moi, ou surtout quand il y a les enfants aussi hein, qui peuvent faire ça, réellement, c'est pas bon. C'était pas bon du tout. Peut-être qu'il y en a qui kifferaient. Réellement, je vais pas dire, voilà, c'est de l'alcool. Il y en a qui vont aimer, mais moi qui aime pas l'alcool, qui n'en boit pas, malheureusement, bah, c'est pas passé. Voilà, j'ai senti, c'est que le truc de l'alcool que j'ai senti et rien d'autre. Et j'arrive pas à avaler quand c'est comme ça. Je recrache tout de suite, mais là j'ai avalé parce que j'avais pas craché devant la caméra, ça se fait pas. Et comme on dit si bien au Japon, c'est très mal poli et mal vu. Voilà. Donc ben voilà, pour la première vidéo de dégustation produit Jap, bien sûr, on a un deuxième qui arrive. J'espère que ça vous aura plu. Un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge pour ceux qui ont vraiment détesté le contenu. Ben c'est pas grave, je prends. Hein. Je prends tout avec philosophie. Après, comme j'avais dit, si vous avez des... Comment on appelle ça des commentaires constructifs, voilà, un peu négatifs, mais qui soient constructifs pour le bien de la chaîne, pour l'amélioration de la vidéo dégustation, bien sûr, tout est la bienvenue. Mais attention, il faut que ce soit constructif, pas une déclaration haineuse. Voilà. Alors, comme d'habitude, un petit commentaire, voilà, hein, ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, pardon. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, rejoignez la Pika Team, je suis très content de vous compter parmi nous. Mille merci à ceux qui nous sont depuis le début et qui me soutiennent réellement, ça me va droit au cœur. Bien sûr, vous pouvez partager mes vidéos, ma chaîne à des amis ou à de la famille ou à des gens que vous connaissez et qui aimeraient le contenu. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Hein. Encore bon appétit. Allez, on se dit à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Keep the microphone, approach, launch, turn down, peace, slowing down.